Ça, c'est un piano qu'il a démonté et il a juste du coup la harpe de ce piano. Et c'est avec des. On pouvait utiliser du coup avec des fourchettes ou avec un couteau. Il faisait cette musique qui est si caractéristique qu'on entend dans certains des films qui ont été tournés sur Chaumeau. Et. C'est vraiment ces recherches expérimentales, tant en musique que aussi en film, en cinéma, avec Clovis Prévost et Jean-Pierre Nadeau. Et car pour Chaumeau, quoi qu'il arrive, l'artiste devait être total, sinon il était mort. C'était vraiment sa sentence définitive. Et donc, tant les musiques en extérieur, avec les verres qui étaient battus au vent, les tubes de verre de couleur, que dans le cinéma expérimental qu'il a produit, donc qu'il a créé dans les années 80 avec Clovis Prévost, il y avait toujours ces recherches perpétuelles, la poésie. Il ne se cantonnait évidemment pas à une discipline artistique. Il avait vraiment un souhait, un désir, une gourmandise de créer de perpétuellement en totale liberté. Ce qui est très beau avec Chaumeau, avec sa façon de travailler le plâtre, c'est que quand on voit sur la cheminée de Chaumeau la phrase « Quelle empreinte auras-tu laissée sur la terre pour que ton Dieu soit content ?» Là, la première empreinte que l'on laisse du point de vue social avant le passeport biométrique, c'est l'empreinte digitale qu'on veut bien apposer avec de l'encre sur un papier. Or là, il y en a des milliers. Il a tout travaillé à la main. Et vous verrez la porte partout. Dès lors que le plâtre est bien visible, vous verrez qu'il y a des empreintes de ses doigts. Donc il a travaillé avec ses doigts. Et toutes ces parties-là, il les a pincées, ce qu'on appelle faire des pincées. Il les a pincées avec ses doigts. Il avait une très très grande connaissance du plâtre, c'est-à-dire qu'il devait pisser dedans de temps en temps. Vous savez pourquoi il pissait dans le plâtre? Pour retarder la prise. C'était un truc de staffeur, vous savez, d'ouvrier staffeur. Bon, mais mis à part l'anecdote, mais quand même, c'est pas une anecdote, c'est pas tout à fait une anecdote. Il donnait de lui-même, y compris de ses propres liquides corporels. Il a repéré des branches courbes, avec une courbure telle qu'il a pu restituer un cercle quasi parfait. J'ai eu l'occasion de faire sa numérologie, je me suis aperçu en effet que c'était quelqu'un qui avait une numérologie de quelqu'un de leader, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui par lui-même avait ce besoin de toute manière de construire et d'enseigner. Donc ça, c'était relativement présent dans sa mission et dans sa destinée. Il avait une destinée comme ça, c'était quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui avait besoin de personne et qui avait vraiment la structure pour vivre ce qu'il a vécu. Donc il était complètement dans son rôle et dans sa destinée de peintre, de sculpteur inspiré. Alors on pourrait un petit peu l'assimiler à Le Sage, qui était aussi médium et qui a eu aussi cette inspiration-là. Déjà, je peux raconter l'histoire de ma naissance parce que c'est quelque chose d'assez drôle. C'est qu'en fait, ma mère a essayé d'avoir un enfant, elle n'y arrivait pas. Elle avait pourtant tout qui fonctionnait bien. Et un jour, en venant chez Chaumeau, il lui dit « Écoute Maïté, je reçois une magnétiseuse hollandaise, elle est un peu chamane, elle va te faire un envoûtement, tu seras enceinte en octobre. » Donc il lui dit ça comme ça. Ma mère, qui était déjà très réceptive à ce genre de paroles ou de domaines, s'est un peu laissé faire. Et en fait, en octobre 76, elle est tombée enceinte. Et donc moi, je suis née en juillet 77. Et alors que ça faisait déjà 4-5 ans qu'elle essayait de faire un enfant et que ça ne marchait pas. Donc quand je suis née, Chaumeau s'est revendiqué être mon père spirituel et il m'a fait une sorte de baptême, de cérémonial en me baptisant étoile du soir. Donc j'ai hérité à la mort de ma mère d'une très belle lettre et du poème maternité qu'il avait écrit pour ma mère. Une très belle lettre où il dit « Mais enfin Maïté, Laurent, Amélie, c'est incroyable d'avoir choisi ce prénom, ça sera étoile du soir. » Un point, c'est tout. Donc voilà, donc j'ai toujours entendu cette anecdote depuis ma tendre enfance.